eat soon. Et on se lève. Ah oui. Ah. Ah, c'est parfait. Ah oui. Ok. Donc, pour résumer, on va passer la journée à l'intérieur et faire cuire des choses. Je vais voir un peu ce qu'il y a de vert. Il nous faut de l'eau si on a plus d'eau apparemment. On a complètement plus d'eau. Ah oui, alors je fais cette vidéo directement. Oh là, non. Non, toujours pas. Directement après avoir enregistré l'ancienne, enfin celle d'avant. Donc du coup, bah, vous êtes dans le futur, je suis dans le passé. Et je ne peux pas voir les commentaires du coup. Mais, ok. Ok. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus beau. Je crois que graphiquement, ils ont rajouté des trucs, hein, des effets. Oh, ah, ah. Ok. moins 41. Okay. Alors, la plupart du temps, j'aime l'exploration. Attention, hein. Moi, j'aime beaucoup hein, l'exploration, avancer, aller loin. Je suis beaucoup pour ça. Mais il y a des moments, hein, il faut apprendre à ne pas le faire. Parce que là, on est dans la merde. Là, si on essaye de sortir... Regardez-moi ça. Déjà, les chaussures, elles sont 3% humidité. Alors qu'on a... qu'on est resté quoi quelques secondes à l'extérieur. Donc non. Non, désolé mais on va pas se balader cette fois. Il fait bientôt jour. Il fait bientôt jour. Ce qu'on pourrait faire c'est... Alors on a un problème de tissu aussi parce que j'y pensais en fait avant de commencer l'épisode. Je pensais à ça, on a un gros problème de tissu. Alors je sais que vous voyez pas grand chose, ne vous inquiétez pas, il va bientôt faire jour. Voilà. Voilà. On a un problème de tissu encore. Je crois qu'on va devoir commencer à recycler les vêtements qu'on trouve. Pour ça en fait, à cause de ce problème là. Je crois qu'il fait assez jour pour qu'on rafistole nos trucs. Il y a des trucs que je voulais rafistoler, réparer. Ça prend une heure. Pas moins. C'est bon. Ok, on est bon. Je crois qu'il y en avait une autre. Très cher. On n'avait pas une troisième, mais genre mal en point. Parce que là... écharpe. Ah ah. Voilà. Et ça, on va la garder sur nous si jamais on doit passer du temps. Alors, bois de récupération de bâton. Avec tout ce tas qu'on a de bâtons, tu vas me dire que j'arrive. Ah, merci. Alors, ce qu'on va faire. Est-ce qu'on a des. Ok, bon. C'est parti. Et fiou! Voilà, très bien. Attention surtout de pas utiliser... comment ça s'appelle? Mince. Les shards de bois, parce que ça c'est pour faire les boissons. Donc cet épisode on va... Je suis désolé mais si le temps ne s'arrange pas... Si le temps ne s'arrange pas, je ne peux pas sortir. On peut pas sortir non plus. Parce que moins 42 quand même, c'est un peu abusé. Mais je veux quand même aller vérifier pour l'ours. Donc si jamais le temps se calme, on va peut-être se balader. Alors là par contre tu commences un peu à m'agacer. Mais voilà, je pense que cet épisode ça va être de la cuisine. Ça va être... Ah, bienvenue sur la chaîne. T'es sérieux. Vous imaginez si on était, si on faisait pas le coup de la torche et on utilisait des allumettes à chaque fois. Mais jamais vous pouvez survivre en fait en un truc.
Jamais. Jamais de la vie. Waouh. Ok. T'as à faire cinquième essai là. T'as à faire le cinquième essai. À la limite, si ça te donnait de l'expérience, je dis pourquoi pas, mais waouh. Quoique, c'est considéré comme un échec. Je vois pas pourquoi on gagnerait de l'expérience sur un échec. Ok, très bien. On a un livre. C'est juste un livre normal. Normalement, on peut en faire un fagotin. Alors, 1,45. Est-ce que j'irai... Oui. Hop, hop, 40 minutes. On va en rajouter encore un peu parce que la dernière fois on a récupéré quand même pas mal de bâtons. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va déposer les allumettes parce que j'ai... quand on avait fait les épisodes d'Halloween, je sais pas si vous les avez vus. À un moment, j'ai voulu faire le coup de la torche et j'ai gratté des allumettes sans faire exprès. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les poser. Comme on m'avait dit en commentaire, on m'avait déjà dit de faire ça et c'est vrai que c'est le mieux pour le moment. Après, j'aime bien garder des allumettes moi sur moi parce que du coup, ça nous permet de faire du feu si jamais on est dans la merde. Enfin, si jamais on vadrouille en fait. Si jamais on vadrouille. Mais bon. J'avoue que... non, le livre, on peut juste le brûler, en fait. Brûlons les livres! Ça rappelle des mauvais souvenirs. Brûlons les livres. Ce qu'on peut faire... Qu'est-ce que je vais dire? Oui, le fait de gratter les allumettes quand vous utilisez la torche. Si jamais vous cliquez par erreur ou alors vous cliquez pas au bon endroit... Du coup, ça gratte une allumette automatiquement. Et c'est vrai que maintenant, ça me fait un peu je suis un peu parano par rapport à ça. 13 minutes. Le temps ne s'améliore pas. Si jamais le temps s'améliore, ce qu'on va faire, c'est mettre de l'eau à bouillir. Et ça devrait être pas mal pour gagner un peu de temps. Genre, on aurait 2 heures parce qu'il faut que ça boue, faut que ça fonde et faut que ça boue. Et bah du coup, bah ça nous permettrait d'aller nous balader. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça, fabriquer ça. Ah! Peut-être que le temps s'est apaisé un peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ça c'est fait. Je voudrais aussi qu'on monte le feu, ainsi que la cuisine. Bon, la cuisine, on va le faire parce qu'on est en train de faire cuire des choses. Et je voudrais aussi aller voir l'ours, comme j'ai dit. Ok. On va faire cuire ça. Ah, on a beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout d'un coup? Est-ce qu'on fait tout d'un coup? C'est ça la question. Ou alors on garde des choses à faire pour plus tard. D'abord, on va faire les gros morceaux. À 27 minutes, on est à 2h30. Quelque chose que je voulais détruire depuis un très très long moment, on va le faire aussi. Donc on a 25 minutes d'ailleurs. Ouais, c'est bon. Ça m'embête un peu d'utiliser la hachette, mais bon. Elle m'énerve cette table là-bas. Vraiment, elle m'énerve, elle m'exaspère. Les pieds t'empêchent d'avancer et tout ça, c'est chiant. Voilà, on va faire ça. Tac, tac, tac. Très bien. 9 minutes apparemment. On va ressortir une torche. On va utiliser cette torche là. Voilà, très bien, très bien.
Le temps a l'air d'être de s'être calmé dehors, donc on va refaire notre système de montée de niveau. Hein. Donc là, c'est seulement pour monter de niveau. Ok, il n'y a pas de vent. Ouais, non, c'est bon, il n'y a pas de vent. Hop. Ok. Donc on va faire ça. Vous vous rappelez aussi qu'on a un deuxième feu à l'arrière, l'autre porte. Donc on pourrait faire ça, en fait, allumer les deux feux à chaque fois. Et ça nous permettrait de monter de niveau quand même pas mal. Parce que je voudrais bien... Je crois qu'on est presque niveau 3 en, en feu. Donc là... Je vais être honnête, j'ai un peu envie de le rusher, en fait, le niveau 3. Comme ça, on le fait. Ah, par contre, ça va être... non, ça va être tendu. C'est mort. La torche est morte. C'est pas grave. Ça a déposé, ça, très bien. Ok. La cuisine aussi, je crois. Peut-être niveau 3. On va voir ça. On va voir ça. Quarante minutes, très bien. J'ai l'impression qu'ils ont réduit peut-être le temps des bâtons, je sais pas. J'ai vraiment des vibes un peu étranges en fait par rapport à, au jeu en ce moment. Non, c'est 10 minutes, un peu moins de 10 minutes, 7 minutes. Ouais, c'est pas 10 minutes. Ah oui, c'est vrai que... Il y a ça à faire. Ouais, très bien. On a encore 18 minutes. Avant que ça soit cuit. On va en profiter. Hop. Faut faire des fagotins encore. Faut qu'on dépose la viande qu'on vient de cuire. On fait pas mal de choses en même temps là. Là c'est bien, là on va vite. En plus le temps est pas mal. À la limite si ça se finit vite. J'ai envie de dire pourquoi pas... pourquoi pas en profiter pour partir. Voilà, on fait ça, on allume les deux feux. Vous vous rappelez la dernière fois où je crois que c'était la nuit où on a allumé trois différents feux en fait tout autour de la cabane. Ça faisait comme si on repoussait des choses et tout ça, c'était marrant. C'était assez comique, j'avoue. À faire attention de pas marcher dedans parce que étrangement les brûlures fonctionne dans ce jeu. Il y a les brûlures. On a encore du... Ouais, on a encore du... Du petit gibier. Très bien. C'est pas prêt encore? Ah si, c'est pas prêt. Encore 4 heures, très bien. Ah oui, la torche. Faut que je fasse un raccourci pour les torches. Je sais plus exactement si... Je crois en avoir un, mais je me rappelle plus. Voilà, on va refaire le même système. On va allumer les deux feux. On va allumer les deux feux. Encore une fois. Ah merde, c'est des braises. Quand c'est des braises, ça veut dire que vous pouvez refaire partir le feu, en fait. Et du coup, vous pouvez pas le reallumer comme si c'était un nouveau feu, là, comme par exemple là, vous faites du feu. Mais vous pouvez le refaire partir avec des petits bâtons et tout ça. Donc faut attendre qu'il soit mort pour de vrai.
faut refaire des fagotins. Récupérer la viande. Non, ça va, c'est cool. Faut qu'on regarde les niveaux qu'on a en feu et en cuisson. Et en cuisine. Ça va, c'est bien, ça avance, ça avance. C'est montée de niveau, quoi, hein, des skills, hein, montée de niveau des skills. Je crois qu'on va la recycler, cette torche. Elle est trop basse. Oh, yeah. That's a good one. Donc oui, donc qu'est-ce qu'on pourrait... De quoi on pourrait parler? Ah, lui, il était paf cuit. Gibier cuit. Oh, c'est pas les mêmes. D'accord. Ah tiens, il y en a un qui est petit en fait. Ah, ok, ok, j'ai pas fait attention, ma faute. Donc oui, Death Running est sorti, je l'ai streamé et tout ça. Une cinquantaine d'heures pour finir la première fois. Mais c'est pas pour tout faire, hein. Il y a tellement de choses à faire dans le jeu. Voilà, parfait. 40 minutes. 40 minutes. Ok. Il y a tellement de choses à faire dans Death Running. Vraiment cool. Vraiment très bon jeu, je le conseille. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ça, j'en avais parlé sur le stream. Ça peut ne pas plaire du tout, même à certaines personnes. C'est pas parce que... C'est pas parce que c'est Kojima qui l'a fait que... Le jeu va plaire à tout le monde et tout ça, hein, évidemment. J'essaye de trouver des sujets de conversation. Hein. Voilà. J'essaye tout simplement de trouver des sujets de conversation. Là, parce que là, on fait de la cuisine. On pourrait s'arrêter de faire de la cuisine, évidemment. Mais le problème, bon, on vient de faire du feu. On vient de craquer une allumette pour le feu. C'est pas comme si c'était un feu gratuit, en plus. Donc... autant l'utiliser, vous voyez ce que je veux dire? Autant l'utiliser au maximum, donc... Mais bon, oui, il fait beau. Il fait beau, j'avoue qu'il fait beau. Donc on pourrait partir. Je crois qu'il fait même pas froid, faut qu'on regarde. Come on, little fire. Come on. Faut qu'on regarde. Ah ouais, il fait pas froid du tout. On pourrait se balader assez loin. On va essayer de faire tout ça assez vite. Enfin, assez vite, c'est façon de parler, quoi. Parce que ça reste toujours la vitesse du jeu. Mais ouais. Très bien. Attention de ne pas se brûler. Pam pam. Très bien. Encore 6, 7, 8, 9. Ça, pff, ouais, ça va. On pourrait peut-être faire un peu d'eau aussi. Parce que... non, quoique c'est pas vraiment utile. Enfin, c'est utile, mais on n'a pas vraiment besoin. Ok, 7 minutes. Il nous reste encore 3 heures de feu. On va faire ça. Alors, cuit, cuit, cuit. Chop. Oh oh! Cuisine 4, expert, expert, yes. Ah, faites voir un peu. Alors, les aliments cuits rapportent 20% de calories en plus. Aucune perte de calories quand vous ouvrez une conserve. Et maintenant, c'est délai de cuisson moins 20%. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Délai de cuisson moins 20%. Donc, du coup, ça va nous aider pour aller plus vite. Et il faut qu'on regarde pour le feu. Le feu, je pense qu'on va atteindre niveau 3 dans pas longtemps. Je dirais que à la fin de cette session de cuisson là, de cuisine, on devrait passer niveau 3.
Et ce qui est bien, encore une fois, je vous rappelle que c'est pour ça que j'ai un peu envie de rush la cuisine. Si on passe niveau 4, c'est tranquille. Si on passe niveau 4, c'est fini. C'est bon, on a gagné. On a complètement gagné. Allumage de feu. Ouais, on va passer niveau 3. Par contre, j'ai la torche qui est trop abîmée pour continuer. Parce que au niveau 4, on pourra manger de la viande de loup, en fait, la viande de carnivore, sans problème. Et c'est pour ça que je veux passer niveau 4. 5, pardon. C'est vraiment pour ça. Encore 16 minutes. On a le temps d'aller créer des quelques feux. Hop. Fagotin, faut encore en faire. Ah, c'est fun, c'est fun, c'est fun, c'est fun. Ça avance, c'est bien. Je suis assez surpris qu'on ait récupéré nos flèches. Aussi, je veux dire que depuis qu'on a repris, là, après la mise à jour, on n'a pas vu de loup. On les a entendus, apparemment, il y en a un qui m'a grogné dessus, mais on ne l'a pas vu parce qu'il était de l'autre côté de la baraque. On n'a vu que un lapin. Et c'est tout. Donc c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Ok, très bien. Très très bien. Voilà. Après, imaginons que notre survie soit corrompue de quelque forme que ça pourrait être. Brûler dans une heure. Okay. Ah merde, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas grave. Ah, imaginons qu'on ait vraiment un problème par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on recommence encore une survie? Ou alors on passe sur autre chose? Il y a un jeu que j'aime bien en tant que survie, ce serait Oxygen Not Included, Oni, pour les intimes. J'ai pas allumé la torche. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce jeu. moi compris. Mais après, est-ce que c'est assez fun à regarder? Parce que c'est vrai que The Long Dark, il y a quand même un peu l'aspect aventure, il y a un peu l'aspect découverte et tout ça. Même si on fait pas grand chose, il y a quand même un aspect, voilà, il y a quelque chose quoi. Par exemple là on fait que de la cuisine, mais bon, on fait des choses, on bouge. Après bon, je vous parle en même temps. J'ai l'impression que dans Oni, si on fait la même chose, il faudrait accélérer les choses en fait de temps en temps. Ah oui, il faut faire des fagotins. Parce que bah, des fois, c'est juste creuser, faire des choses. En plus, pour être honnête, j'ai déjà fait des vidéos dessus que j'ai pas sorties en fait. Récemment, depuis la nouvelle mise à jour là. Sur les nouveaux astéroïdes, j'en ai fait 3 je crois. Je les ai pas sortis parce que... On va prendre ça. Parce que je sentais que c'était pas vraiment intéressant en fait. C'était pas méga intéressant. Mais je suis pas sûr. Donc ouais, parce que sinon, si jamais on recommence encore une saison de The Long Dark, on risque un peu de tourner en rond. Je dirais, on risque un peu de tourner en rond.
Vous avez vu, maintenant ça cuit plus vite. Donc la durée du brûlé aussi est plus longue. Parce que les 20% en fait se sont transformés en brûlé en fait. En gros. Donc ça c'est pas mal aussi. Une torche ou pas ? Parce que recommencer encore une saison, je crois que ça va tourner un peu en rond. Mais bon, c'est voilà, comme j'ai dit, c'est supposément si notre sauvegarde est corrompue parce qu'il y a eu d'autres mises à jour, c'est ça que je veux dire. Ça m'étonnerait quand même, mais bon, on sait jamais. C'est déjà arrivé en fait avant. Quand je dis corrompu, ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas en fait par rapport aux mises à jour. Enfin, pas qu'on peut pas la charger, mais qu'il n'y ait pas les nouveautés, vous voyez ce que je veux dire? Qu'il n'y ait pas les nouveautés, tout simplement. Mais bon. Yes. Oh! J'ai plus besoin de petits bois. C'est pour ça aussi que je voulais le dire. Yes, c'est pour ça qu'il y a une croix maintenant. Facultatif. On n'a plus besoin de petits bois, ça y est. Oh, c'est bien. Oh, ça aide énormément, ça aussi, de pas avoir besoin de petits bois. C'est pour ça que je voulais le niveau 3. Ça nous fait du poids en moins à transporter. Ça nous fait gaspiller moins de brindilles. C'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Voilà, si vous regardez maintenant. Allumage de feu. 65% de chance d'allumer un feu, c'est bien. De base, hein, de base. Le feu dure plus de 10%, donc ça c'était avant aussi. Et maintenant, plus besoin de petits bois pour l'allumage. Donc, fini les fagotins et tout ça. Vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Ah, encore 20 minutes. 2h20. On peut aller refaire un feu. Quoique, peut-être la truc sera pas assez. Je crois. Non. Il sera pas assez. Voilà, recycler. Yeah! Je suis content là. Là par contre, alors je sais que c'est peut-être pas super waouh, folichon quoi. Mais ça aide tellement le fait d'avoir maintenant. De plus avoir l'utilité pour les fagotins. Ça aide tellement. La nourriture aussi, la cuisine niveau 4. On s'approche du niveau 5 qui va nous permettre de survivre sur n'importe quoi. Ah, c'est. Ouais, maintenant on est à 85% aussi de base. Ah, donc c'est vraiment cool. Non, là c'est des bons niveaux, ça, ce qu'on a pris. C'est des très bons niveaux. Je me rappelle que ça avait pris beaucoup, beaucoup plus de temps. La dernière saison de monter de niveau. Parce que je faisais pas ça, en fait. Je faisais pas le forçage de niveau supérieur, en fait. Je forçais pas sur ça. Genre à créer des feux, cuire des morceaux de viande à foison. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Surtout le feu, c'est facile. Quand vous récupérez hein, des morceaux, hop, c'est vite fait. Okay. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Oxygène not included, si jamais on arrête cette survie-là. Ou alors on repart encore pour The Long Dark. Bon, j'en ai déjà tellement fait. J'ai un peu peur que ça tourne vraiment en rond. On a encore quelques trucs à faire cuire. Ouais, on a encore quelques bricoles à faire cuire. Il va faire nuit.
hein. On a encore un peu de temps. Ouh, elle est... Elle est grosse cette torche. Ah, 44, ok. Je pensais qu'elle était à plus de 50% pour je sais pas quelle raison. Donc je me suis dit on va la garder, mais en fait... Après, il y a les défis à faire. Je sais, j'ai toujours les défis à faire. Je pense les garder pour un stream. Peut-être, j'en avais déjà parlé. Oh putain, il fait jour. Enfin, il fait le soleil, je veux dire. J'en avais déjà parlé de ça, de le faire pendant un stream. Tous les défis. Et je peut-être que je les remettrai sur la chaîne plus tard. Pourquoi ça ne marche pas ? Je sais pas encore. Come on, little fire. Ouais, et faire l'épisode 3 aussi, hein, toujours. Mais comme on en parlait sur le stream par rapport à l'épisode 3, je l'ai tellement on l'a tellement attendu, en fait, ça va faire plus de 6 mois, je crois, que maintenant, ça m'intéresse plus trop. De 1. Et de 2, vu qu'il y a eu tellement de changements, en fait, dans le jeu, genre maintenant, la façon de faire à manger et tout ça, quand les épisodes 1 et 2, en fait, étaient sortis, ça n'existait pas encore, cette façon-là de faire à manger. Enfin, j'en avais déjà parlé, je dois me répéter encore une fois, comme d'habitude, je me répète énormément. Surtout dans ce jeu-là, vu qu'on fait tout le temps la même chose. Et du coup, j'ai vraiment envie de refaire l'épisode 1 et 2, en fait, de 0. Parce qu'il y a ces changements, quoi. On va faire comme ça. Ok, on a 3 morceaux à cuire et après on est bon. Après on va aller se balader, comme je disais, pour l'ours. On va voir. On a encore un peu de temps devant nous. Je pense pas qu'il fera... complètement nu. Non, on a encore un peu de temps. Bon. Ça va. Ah, 9 minutes. Alors, fais voir un peu nos niveaux. Alors, la cuisine. Ouais, ça... Ouais. Allumage de feu, c'est pas mal. Ah, maintenant, du 4 au 5, ça va être très long. Du 4 au 5, ça va être extrêmement long. C'est un peu le problème. Non, pas Fagotin. Non, on n'a plus de... écoutez... Ah, très bien. Ça. Donc 44 minutes, très bien. Parti. Et après pour le reste du temps, pour le feu, on va mettre 2 casseroles d'eau et on va mettre 2 heures de feu. Comme ça, ça va pas s'évaporer. Nous on se casse en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a déjà fait plusieurs fois, ou alors qu'on s'endormait en fait quand on allait dormir et restait une heure de feu, mais qu'on voulait dormir. On remettait une heure en plus, comme ça on mettait 2 heures, et on met de l'eau et hop, c'est comme ça, c'est pas gaspillé. Mais par contre, ouais, là ça prend du temps par contre. De passer du niveau 4 au 5, c'est énorme. C'est assez énorme. Ça viendra. Avec le temps. Et je voudrais partir de cette zone aussi, ça m'a un peu saoulé de rester là. Si on pouvait trouver l'ours là, le tuer, je me casserais maintenant en fait. Oh yeah. That's a good one. On mangerait toute la nourriture qu'on a. C'est cru ça.
On mange toute la nourriture qu'on a pour pendant 3 jours. Dans le jeu, hein, je sais pas. Et comme ça, on aurait le bonus. On en prendrait sur nous, évidemment. On prendrait les gros morceaux de gibier. Et on partirait, quoi. On prendrait sûrement... Ah, on a tellement de peau. C'est vrai que ça, c'est embêtant, quoi. On a tellement de peau. On n'avait pas dit qu'on voulait faire un deuxième vêtement. Genre ça. Si on l'enlève. Ouais, je peux le mettre ici. On avait dit qu'on voulait en faire un deuxième, non? Comme ça, on en met deux les uns sur les autres. Ah, par contre, on perd. Je sais pas si on peut le faire, ça. Je sais pas si on peut le faire. Je dirais oui, mais est-ce qu'on peut mettre deux fois le même? Oui, non? Je crois, ouais. Des fois, j'ai des doutes parce que le jeu change un peu. Bon, bref. Enfin, bref. C'est une bonne torche, là. 48. Ça va bien. Voilà. 30 minutes. Je pense qu'on est bon là. Et après, il faudra 2 heures en plus. Donc, il faut, tout ça, faut que ça monte au moins à 2h30. Voilà. On va voir. Je pense que j'ai bien calculé. Ça va faire de le f... En fait, j'ai mis l'eau à bouillir là 12 minutes, donc ça va faire le double pour la, enfin pour la faire, pour faire fondre la neige et après faire bouillir l'eau. Et comme ça, ça sera fait en même temps que le morceau de viande. C'est ça qui est important. Comme ça, on pourra mettre les 2 litres d'eau, enfin les 4 litres ensemble. Come on, little fire. Come on. Allez. Ah bah au final, hein. On a passé à 40 minutes à faire ça. Ça passe vite, ça passe vite. Ça m'embête un peu, hein, vraiment. Ça m'embête un peu. Impression de pas avancer, des fois. Mais bon. C'est une journée dans The Long Dark. C'est comme ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, point de vue nourriture, on est bon. Point de vue nourriture, on est bon. Voilà, donc 52 minutes. Hop, hop. 2. Donc, on va mettre encore un truc juste pour être sûr. Juste pour être sûr. Voilà, 2h30. Ah, c'est bon, on se casse, on y va. On va pas refaire encore des feux à l'extérieur parce que sinon c'est chiant. Sinon on va s'emmerder.
Oui, on garde comme ça. On est à combien de 27 ça. On va poser la viande et on y va. Et on va se balader. On va essayer de trouver le cadavre de l'ours. Comme je dis. Si jamais il existe quelque part. Voilà. C'est pas mal, hein, comme... C'est vraiment bien, hein, ce qu'on a là, comme viande. Vraiment, vraiment cool. Elle est pas extrêmement fatiguée, donc... on va pouvoir se permettre de... sprinter un peu. En plus, il fait un super beau temps. Il fait pas froid. Il fait combien? Moins 1 degré. Moins 1 degré. On peut faire ce qu'on veut. C'est quoi ça? Ah non, c'est le ponton. On pourrait pêcher. Tiens. Ah oui, on pourrait pêcher. Pendant un long moment. Mais bon, je... C'est plus important d'essayer de trouver l'ours. Combattre là parce qu'il peut pas rentrer dans les petites cabanes, donc on va le combattre là. Il a eu peur de ma fourrure. Non, là, il devrait pas avoir peur parce qu'il était toujours sur moi. Un peu bizarre. Tu m'expliques ce qui se passe? Parce que là, il est toujours sur nos traces. Quoique. On le fait sans... sans lapin. Très, très étrange. Normalement, il n'est pas censé faire ça. Il est pas censé faire ça parce que... Attendez, il nous poursuit, donc il est toujours sur nos traces. Et après, il y a le fait de le mettre à nappes. Mais en théorie, il est toujours sur nos traces. Il est toujours sur nos traces, donc je sais pas, c'est bizarre. C'est très bizarre. Parce qu'en fait, il a peur de nous parce que... on a la fourrure, j'imagine, hein, j'imagine. C'est comme ça que ça marche.
Oh la vache, qu'est-ce qu'il y a? Ok, lui par exemple, lui il a eu peur parce qu'on a la fourrure. Mais s'il a pas peur la première fois, vous rappelez, j'avais expliqué le... J'avais expliqué le coup du... de la voiture, de sortir et rentrer de la voiture. Là, lui, là il a encore eu peur. C'est bizarre, c'est très très bizarre. Par contre, pas heureux qu'on était accroupis et qu'ils nous ont pas vus. J'avoue que... de le faire aussi, lui aussi. Si jamais il nous poursuit jusqu'à notre grange, on va se le faire. Enfin, notre grange, notre maison. Hop là. Vous voyez ce que je veux dire, le... C'est pas vraiment normal de réagir comme ça, d'avoir peur en fait constamment. Très très... Ouais, un peu bizarre. Enfin. Donc ça c'est bien. Choup choup. Et on a de la viande. On a de la viande. Mettre. Donc on va faire comme ça. On va déposer toute notre viande et on va mettre des flèches à l'autre là. Ah, très bien. Ah, il est là. Vas-y, ramène tes fesses. J'aime pas être en hauteur comme ça. Un peu la merde là. Un peu l'endroit à la con. Parfait. Alors là, ça aurait pas pu être mieux. Ça aurait pas pu être mieux. Faut qu'on se réchauffe. Quel con, ce loup. Quel con. Ah, on voit rien. Merde. Oh putain, je vois que dalle. Ok. Alors, on va le déposer là. Flèche brisée, recyclée. Je suis le temps qu'elle se réchauffe en fait. Il fait toujours pas froid en fait à l'extérieur. Recyclée. Et recyclée. Ah, très bien. Enfin, s'il fait toujours pas froid, hein, on prend tout. Ah, ça va là-dedans. Fourrure. À la main. Ça augmente notre niveau de carcasse, là. 4 kilos. Couteau. Ah, très bien.
Voilà, on a encore... on a encore tout ça à cuire, oh la vache. Comme j'ai dit, hein, si vous avez un arc agressif, hein, il faut jouer agressif avec l'arc. Il faut complètement jouer agressif, il faut monter le niveau, quand vous avez des flèches, une dizaine de flèches, il faut monter le niveau, il faut cuire, ça vous permet de faire tellement de choses, mais alors tellement de choses. Notre niveau de carcasse, il a 4, donc ça c'est bien, ça aussi ça augmente bien. Le tir à l'arc, bientôt niveau 3, donc c'est pour ça, bam bam bam, on veut vraiment défoncer de la bestiole. Vraiment. Hein. On va se mettre là. Je sais, je vois pas grand, je vois rien. Hein, vous inquiétez pas, moi non plus, je vois rien. Mais voilà. Ok. Est-ce qu'elle est fatiguée? Je dirais à la limite qu'on peut encore se balader vite fait. Je suis pas vraiment sûr. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée quand même. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on dort. Allez, on dort. Ah, bon, bah, faut manger aussi, pardon. Merde. Je me repère aux fenêtres, en fait. Non, mais c'est bien, là. C'est bien. Honnêtement, c'était pas... Bon, c'est un jour un peu bête, un peu ballot. Pas grand-chose qui se passe, mais... Mais au moins... Oh, c'est pour moi... Mais en tout cas, oui, j'avoue que c'était un peu étrange, hein, ce que le premier loup a fait. C'est un peu étrange. Et vous avez vu, on fait extrêmement mal avec les flèches maintenant. Vous savez, on est niveau 3, après niveau 4, tout ça. Ça tue, hein, ça tue bien. Ça tue vraiment bien. 600. On va prendre ça. Non. Non. 6, 7, 8. On peut prendre ça aussi. Ouais, c'est bon. Et on va dormir. Très bonne journée. Très bonne journée. Faudrait qu'on dépose les bouts de flèches et tout ça. Même si ça prend pas beaucoup de place de toute façon. Mais ouais. Très bonne journée niveau skill. Niveau habilité, niveau skill. Niveau level up. Notre arc à 31%. Il va bientôt casser. Comme j'ai dit, une fois qu'on sera... Je crois que c'est le max. Je suis pas sûr. Ou alors c'est peut-être niveau 4. Je sais plus, je sais plus. Mais je sais qu'à un moment, c'est... Genre, on utilise 2% qu'on tire. Après, on n'utilisera plus qu'un seul pourcent. Donc, ça va être énorme. Mais ouais. Les flèches aussi, je crois. Je crois que le dégât des flèches va augmenter avec les niveaux supérieurs. Jusqu'à peut-être 20%, je crois. Pas trop non plus. Mais je sais que la détérioration des flèches aussi, je dirais. Si je me rappelle bien. Après, c'est des vieux souvenirs. Donc... mais ouais. Mais ouais. Non, c'est vraiment bien ce qu'on a fait. C'est vraiment, vraiment cool. Allez, mange. Alors, on avait 600. On va encore une fois dormir au maximum. Si jamais on a des jours... Ce qui est bien, c'est que si jamais on a des jours à la con, c'est-à-dire tempête, ou alors on voit rien, ou alors il fait extrêmement froid et tout ça... Ben, on a de la viande, en fait, à faire cuire. Voilà, on a complètement de la viande. Et là, il devrait avoir des faits tout complètement vides. D'accord. Très bizarre. Apparemment, j'ai merdé le timer. Et on a perdu toute l'eau. D'accord, c'est pas grave, ça arrive. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.